Bonjour à tous, c'est Lucas, aujourd'hui on se retrouve pour notre suite de l'aventure sur eh bien, Mass Effect. Et la dernière fois, on se rendait à la tour du conseil pour parler au conseil. Et j'ai... Saren cache quelque chose. D'accord. Accordez-moi un délai supplémentaire. Essayez de gagner du temps. Gagner du temps avec le conseil? Ne soyez pas ridicule. Votre enquête est terminée, Garrus. Ah, on n'est pas les seuls. Si le même problème vient de deux sources différentes. Commandant Shepard, Garrus Vakarian. J'étais responsable de l'enquête du SSC sur Saren. Ah. Et qu'avez-vous découvert? Vous avez décoré? Découvert quelque chose qui peut m'intéresser? Saren est un spectre. La plupart de ses activités sont classées top secret. Je n'ai rien trouvé de tangible. Mais je sais qu'il prépare quelque chose. C'est viscéral, comme disent les humains. Je crois que le conseil est prêt à nous recevoir, commandant. Bonne chance, Shepard. Peut-être qu'ils vous écouteront. Très bien. Qu'est-ce que je disais? Je disais que grâce... Alors, est-ce que ça serait J? Voilà, comme journal. Grâce au journal, en fait, finalement, et pas du tout, en fait, c'est pas le journal, c'est ça, en fait, c'est le codex. Grâce au codex, j'ai pu apprendre pas mal de petites choses, comme par exemple l'humanité, comment fonctionnait l'alliance interstellaire, ce genre de choses. Et un truc que j'ai trouvé assez intéressant, bon, tout ça, on va marquer comme lu parce que c'est chiant. Bon, je ne sais plus exactement où est-ce qu'il est. Mais en gros, le système de fonctionnement de cet univers, au niveau diplomatique et autres, s'avère qu'il y a une répartition au niveau de la flotte du 5-3-1. C'est-à-dire que vous avez en fait la race principale militaire, là, les Turiens. Qui en fait ont la plus grosse flotte parce que c'est eux l'armée principale et elle ne doit pas être dépassée en termes de puissance par n'importe quelle autre flotte qui fait partie en gros de cette grande alliance. Voyons, les Volus refusent depuis des années d'intégrer le conseil. Pardon? Je n'en suis pas si sûr. Les humains ont pris l'initiative. Pour peu qu'ils réussissent, vous pouvez être certain que les Volus sauront en profiter. Accueillir les humains parmi nous est justifiable, mais les Volus... Non, je pense que les Anaris seront les prochains, puis les Elcor. Vous avez peut-être raison, mais il faudrait d'abord que les Anaris se détendent un peu. Vous ne les aimez pas parce que vous avez des difficultés à les comprendre. Les Anaris? Ça me dit rien. Mais je comprends pas. Voilà près de 1200 ans. Ah! Je comprends pas. Il me semblait que... Bah... Quand les guettes... Voilà. Les guettes sont une race. Bien que les Volus fassent oui. partie intégrante... Je croyais que les Volus voulaient une place au conseil. Le diplomate en vous a dit qu'il... Bon, bref... Je sais plus ce que je disais avant. Ah oui, donc les Turiens, vu que c'est la force militaire qui fait partie du conseil, là, des trois grandes factions, donc les Azari, les Turiens et les Agori... Oh, les scientifiques, là. Les Golgoriens. Un truc comme ça. L'audience a déjà commencé, venez. Impeccable. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'après, tu as toutes les factions adjointes, dont les humains. En fait, il y a un rapport de 5-3-1. Pour un vaisseau. En outre, l'enquête du service de sécurité de la citadelle n'a révélé aucun élément là. Susceptible d'étayer vos accusations de trahison. Comment ça, aucun élément? Un témoin oculaire l'a vu abattre froidement Nilus. Nous avons lu les rapports d'Eden Prime, ambassadeur. Or, le témoignage d'un docker en état de choc un galarien, peut difficilement s'apparenter à une preuve recevable. Je suis outré par ces accusations. Nilus n'était pas qu'un spectre à mes yeux. Au fil de nos missions, je m'étais lié d'amitié avec lui. Pour mieux l'attaquer par surprise ensuite. Capitaine Anderson, chaque fois que l'humanité porte des accusations mensongères à mon encontre, vous y êtes pour quelque chose. Ouh. Et voici sans doute votre protégé,
le commandant Shepard, responsable de la destruction de la balise. Et que la mission sur Eden Prime était confidentielle. Si vous avez connaissance de la balise, c'est forcément que vous y étiez. Après la mort de Nihilus, ces dossiers m'ont été transmis. Comment j'ai lu le rapport sur Eden Prime. Désaille. Vous n'avez pas franchement brillé. Mais que peut-on attendre d'un humain? Des insultes. Sa reine méprise les humains. Voilà pourquoi il a attaqué Eden Prime. Votre espèce doit apprendre où est sa place, Shepard. Vous n'êtes pas prêt à rejoindre le Conseil. Vous n'êtes même pas prêt à rejoindre les Spectres. Il n'a pas le droit de dire cela. Cette décision n'est pas de son ressort. L'admission de Shepard chez les Spectres n'est pas à l'ordre du jour. Alors cette réunion est inutile. Les humains vous font perdre votre temps, conseillère. Et le mien également. Vous ne pourrez pas vous cacher derrière le Conseil éternellement. Une question demeure néanmoins en suspens. La vision du commandant Shepard. Elle a pu être provoquée par la balise. Donc maintenant, les rêves peuvent servir de preuve. Comment puis-je défendre mon innocence avec ce genre de témoignage? Je suis d'accord. Notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves tangibles. Et non sur des divagations ou des spéculations hasardeuses. Avez-vous autre chose à ajouter, commandant Shepard? À quoi bon? Vous avez déjà pris votre décision. Voilà, ils ont déjà pris, ouais, c'est clair. Ma salive. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Le Conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre sa reine et les Geths. En conséquence, sa radiation des Spectres est rejetée. Ouais, ça sert à rien. Je suis heureux de cette juste décision. La réunion est suspendue. C'est enculé. Donc je disais, les Galariens et les Azari, là, les deux donc races conseillères que vous avez vues autres que les Turiens, ils ont un rapport pour un vaisseau, par exemple, des humains. Eux, ils en ont trois. 5-3-1. Nous, pour un vaisseau, les Turiens, ils ont le droit d'en avoir 5. Il s'est allié aux Geths pour une seule raison, exterminer toute la race humaine. Après, sinon, eh ben, il y a une coalition qui se forme entre toutes les races, et bien évidemment... Même la Terre n'est pas en sécurité. La puissance de toutes les races unies font que vous ne pouvez pas lutter. Donc vous êtes obligé de respecter ce quota de 5-3-1. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est très important. Les Turiens nous regardent en chien de faïence, nous humains, en sachant qu'ils ont un rapport de puissance de 5-1. Ce qui fait que techniquement, si on devait être en guerre contre les Turiens, on est obligé de perdre. On est obligé de perdre. C'est pour ça que là, par exemple... Les Turiens nous prennent de haut, parce que qu'est-ce qu'ils ont à craindre de toute façon? S'il y a un autre conflit armé entre les Turiens et les humains, si c'est les humains qui le provoquent de toute manière, que ce soit avec ou sans l'aide des deux autres races, donc les Azari et les Galariens, sans compter tous les autres comme les petites créatures marchandes, enfin... Même tous les autres, enfin, j'ai du mal à retenir le nom des races, excusez-moi, hein. Je n'ai joué qu'au jeu 2 heures, et je viens tout juste, ça ne fait que 2 heures que je suis plongé dans l'univers de Mass Effect, donc je suis désolé si j'ai encore du mal avec certaines races, mais en gros, moi j'essaie de comprendre le background du jeu, parce que c'est quand même une trilogie, qu'Andromeda va certainement s'appuyer aussi sur sur les races que nous connaissons maintenant, j'ai envie de vraiment rentrer dans le jeu, tout comme je l'ai fait avec The Witcher, tout simplement. Alors, toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger. Même la Terre n'est pas en sécurité. Bon, oublions le Conseil. On va devoir s'occuper nous-mêmes de sa reine. En tant que Spectre, il est quasiment intouchable. Nous devons trouver un moyen de le démasquer. C'est bien, Captain Obvious, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. On l'a vu en grande conversation avec l'exécuteur. Oui, c'est vrai. Il demandait plus de temps pour boucler son rapport. Il avait l'air à deux doigts de découvrir quelque chose sur sa reine. Vous savez, on va lui parler, peut-être qu'on pourra apprendre des J'ai choses. J'ai un contact hein, au SSC qui pourrait nous aider à retrouver Garrus. Il s'appelle Arkin. Pas la peine. J'ai vraiment l'impression que ce sont tous des Turiens. Arkin a été suspendu le mois dernier. Il picolait en service. Je ne vais pas perdre mon temps avec ce minable. Inutile, je ne veux pas que le Conseil rejette nos preuves sous prétexte que vous avez des comptes à régler avec sa reine. C'est Shepard qui va s'en charger. D'accord. Très bien, je m'en occupe. J'ai quelques affaires à régler. Capitaine. Rendez-vous dans mon bureau un peu plus tard. Bon. Arkin est sûrement en train de se prendre une cuite à l'antre de Koras.
C'est un petit bar. Ah, j'ai voulu y aller dans le petit bar miteux là, dans la section inférieure des secteurs, parce que je voulais reprendre la vidéo avec, en fait, vous vous rappelez la favorite, la Shaya. Je voulais en fait aller régler son problème dans les bars avant de monter. Comme ça, j'aurais fait des petites quêtes secondaires et on aurait commencé avec des petites quêtes secondaires avant d'aller vraiment dans l'histoire. Mais ils m'ont dit que je devais aller voir le conseil avant. Bon. Vous voulez que je lui parle ? Je croyais que c'était un loser alcoolique. Ça ne coûte rien d'aller lui parler. Mais prudence, il n'est pas franchement fiable. D'accord. Je dois y aller. Allez. Bonne chance, Shepard. Je serai dans le bureau de l'ambassadeur, si vous avez besoin d'autre chose. Pas de souci. Alors, on a des entrées codex, de l'XP, et notre journal a changé, bien évidemment, puisque nous avons maintenant d'autres quêtes. Alors, où est-ce qu'on se casse ? Où sommes-nous ? Mince. J'appuie toujours sur la mauvaise touche. Chambre du conseil. Très bien. Je vois où il faut aller. On va essayer de se servir aussi de ces panneaux de destination qui nous permettent de nous téléporter, de ce que j'ai compris. On peut parler à un mec là. Shortban. Ce type m'a l'air pas net. Hein ? Oh non non, je. Enfin bref. Et le galérien là. Qu'est-ce que tu fais au veilleur ? Je peux faire quelque chose pour vous ? Qu'est-ce que vous fabriquez avec les veilleurs ? Quoi ? Mais rien, je ne vois pas de quoi vous... Trêve de blabla, on vous a pris en flag. Je ne sais pas trop si je devrais vraiment vous en parler. Mais pourquoi pas ? On ne fait que discuter. Où est le problème ? Bon d'accord, j'imagine que je peux vous faire confiance. Je rassemble des données sur les veilleurs grâce à un petit scanner. Mais jusque-là, ce n'est pas très concluant. J'ai du mal à m'approcher d'eux. Tu te fous de ma gueule ? Même moi, j'arrive à m'en approcher. Eh bien, en théorie, c'est illégal de déranger les veilleurs. Je ne vois pas en quoi mes scans les dérangeraient, mais autant éviter que ça se sache. Donc je suis obligé de faire ça à la sauvette pour éviter d'être arrêté. Pourquoi je m'en occupe pas ? Je pourrais vous aider. Les autorités, ça me fait pas peur. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je suis commandant Shepard, de l'Alliance. C'est sûr que votre aide ne serait pas de trop. Tenez, je vous confie le scanner que j'ai développé. Activez-le dès que vous croisez un veilleur. Les données que vous collectez seront automatiquement transférées dans ma base de données. Et à chaque scan d'un veilleur distinct, je vous verserai quelques crédits. Et pourquoi tu fais ça en fait ? Qu'est-ce que vous faites des données que vous collectez ? J'essaie d'en tirer des informations sur les veilleurs. Nous sommes habitués à leur présence et pourtant nous ne connaissons quasiment rien d'eux. Or, les scientifiques détestent l'inconnu. Bon, okay. J'ai du pain sur la planche alors. Tout à fait. Si, il faut juste les scanner eux et pas. À bientôt. Et pas les bon informations. Enfin, j'imagine que ce sont des informations, hein, ce qu'ils ont les veilleurs. Voilà. Et on gagne de l'argent à le faire. Bah écoutez, à partir du moment où on gagne de l'argent. Donc là, on a le voyage rapide. Site du Présidium ou le site des secteurs. On va aller dans le site des secteurs du coup. Dans l'antre de Coras. Voilà. Donc c'est bien, on peut prendre le taxi spatial, là, enfin je sais pas trop exactement. Arriver au club de détente entre deux Coras dans les secteurs. Oula, alors attendez, je connais pas du tout l'endroit, j'y suis jamais allé. Hein. Donc, à l'entre deux Coras. C'est lui. Oh, what ? On se fait attaquer ? What ? Bah. Ah ok, il y a eu un bug. Alors, chargé. Heureusement, on a une sauvegarde automatique qui se déclenche dès qu'on prend un passage ou un truc de voyage rapide. C'est lui. D'accord, ça a bugué. Ce n'est pas grave, ça arrive de temps en temps dans les jeux. Pourquoi je peux pas prendre un autre... Ah, merci. Des assassins. On va prendre le fusil à pompe. C'est de l'organique. Allez, on y va. Des turiens. Hop. J'ai augmenté mon bouclier. Et ça m'a plutôt bien servi.
Les hommes de Saren, ouais, vous avez vu? Ces voitures, elles montent jusqu'à combien d'après vous? Mais on s'en bat les couilles, putain, on vient de se faire attaquer. Mais c'est vraiment une cruche, elle, putain, mais qu'est-ce que... C'est pas moi qui aurais dû tomber dans le vide, c'est toi, hein. Ah. Ça te plaît, en plus? Non, mais, elle est... mais t'es tordue, ma vieille. T'es vraiment tordue. Ok, on peut s'asseoir. Sérieux? Désolé, je reviens dès que possible. Ouais, ok, useless. Non. Bah maintenant, je suis occupé. Oh, le général Septimus. Que voulez-vous? Shaira m'envoie. Je viens de la part de Shaira. Vos mensonges lui font du tort. Tant mieux. Moi, elle m'a tué, vous entendez? Elle m'a tué. J'ai vu pas mal d'horreurs dans ma vie. Et dans toute la galaxie, il n'y a qu'une femme qui arrive à me les faire oublier. Alors pourquoi raconter tous ces mensonges sur elle? Parce qu'elle ne veut pas de moi. Moi, Septimus Oraka, général de la flotte turienne. Putain, mais tu fais pitié. Ce n'est pas un exemple pour vos troupes. Putain, ça y est, t'es général, il faut que tout le monde te suce, non, ça va pas, non? Troupes. Ce que je voulais, moi, c'était arrêter de travailler pour vivre avec elle. Écoutez, c'est gentil d'essayer, mais vous perdez votre temps. Putain, mais ressaisis-toi, ça va, t'es général. Pourquoi je peux pas dire ressaisissez-vous? Il faut agir en général, si vous voulez vous en sortir. J'ai agi en général toute ma vie. Vous voyez où ça mène? Non, c'est terminé. Je tombe le masque. Je suis un soldat fatigué, seul et usé. Mais abandonne pas. Vous voulez qu'on se souvienne de vous dans cet état? Non, je préfère qu'on m'oublie. Mais je vois ce que vous voulez dire. Vous croyez que c'est aussi facile? Qu'il suffit de bomber le torse et de faire le général? Ça ne peut vous faire que du bien. Vous avez peut-être raison, commandant. Shaira en vaut bien la peine, même si elle ne me laisse pas revenir. Quand même? Alors debout, général. Allez la voir. D'accord. Après avoir pris une bonne douche froide, ou deux. Vous avez l'air plutôt futé dedans. Ça vous dirait de vous faire quelques crédits? Ce n'est pas... Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un diplomate Elcor qui pense que Shaira a divulgué ses secrets. Ah, je le vois exactement lequel c'est, oui. Qu'est-ce qui lui fait croire ça? C'est moi qui le lui ai dit. Écoutez, je voudrais juste que vous parveniez à le convaincre du contraire. Ça pourrait être à toi de le faire, non? Pourquoi vous ne vous en chargez pas vous-même? Parce que la dernière fois qu'il m'a vu, j'insultais ses ancêtres et je hurlais ses secrets à la ronde. Tenez, prenez ce datapad. Il indique où j'ai eu mes infos. Ça permettra de disculper Shaira et de convaincre l'Elcor. Je le donne à qui et je le trouve où? À un diplomate Elcor nommé Xeltan. Il est aux ambassades, en train de vider son sac sur Shaira. Eve, voilà un soldat, un vrai. Merci, commandant. Vous savez, vous pourriez faire un bon général un jour. Dur d'imaginer un général de cette trempe dans cet état à cause d'une femme. Ouais. Parce que vous ne comprenez rien aux femmes, Kaidan. C'est normal, t'es puceau, Kaidan. Et j'étais là en premier, mec. Casse-toi. Recule, Vrex. Fist nous a dit de t'abattre. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la seule chance de Fist. S'il est malin, il la laissera pas passer. Inutile de l'attendre, Vrex. Point final. Non, point de suspension. Oh, cette phrase me plaît. C'est pas après vous que j'en ai. C'était quoi, ça? Qui sait? L'important, c'est de pas être au milieu, c'est tout. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Apparemment, non. Arkin. L'armée de l'Alliance. J'aurais pu devenir marine, vous savez. Au lieu de ça, j'ai rejoint cette foutue garde de la citadelle. La plus grosse erreur de ma vie.
Vous pourrez peut-être m'aider. Arkin, c'est ça? On m'a dit que vous pourriez m'aider à retrouver quelqu'un. Un Turien, officier du SSC, nommé Garrus. C'est Garrus? Pas un spectre, en fait, le Garrus? Oh, vous êtes avec le capitaine Anderson. Ah, je pensais que c'était en... C'est pour ça que j'avais dit, il y a beaucoup de Turiens qui sont... Je sais où est Garrus. Mais d'abord, Garrus, apparemment, il est pas... C'est pas un spectre. Le capitaine vous a raconté son grand secret. Mais après, je m'en bats les couilles. Où est Garrus avant que ça se complique? Mais tout est lié, vous voyez pas? Bah non. Le capitaine était un spectre. Ça vous la coupe, hein? Bon, étonnant, c'était top secret, tout ça. Il a été le premier humain à recevoir cet honneur. Et il s'est planté dans les grandes largeurs. Il a tellement fait foirer sa mission qu'ils l'ont viré. Bien sûr, il en veut à sa reine. Il dit que c'était un coup monté du Turien. Comment tu sais ça? Si c'était top secret, comment vous savez tout ça? Ça fait 20 ans que j'enquête dans la citadelle. Et les gens du coin adorent causer. Les secrets, c'est comme la ch'touille. Quand on en a, autant en faire profiter les autres. Je viens pas pour ça. Dites-moi juste. D'accord, c'est une information utile, mais... Du côté du bureau du docteur Michel, la fille qui tient la clinique à l'autre bout des secteurs. Aux dernières nouvelles, c'est là qu'il allait. Ok. Je m'en vais. Ouais, c'est ça. Allez, laissez-moi picoler tranquille. Est-ce que je peux aller parler à ce truc-là? Krogan. C'est privé par ici. Réservé à Fist et ses amis. C'est qui, Fist? Qui c'est ça, Fist? Le proprio du club. Mais les clients restent en salle. Ah, d'accord. C'est qui que l'autre Krogan? L'autre Krogan. C'est une nouvelle quête, hein. Ça ne vous regarde pas. Pas très causant, hein? Au revoir. Putain, là... Passez une bonne soirée. Oh putain. Ok. Bon. J'ai rencontré tout ce que je devais rencontrer. Pourquoi le capitaine Anderson nous a caché qu'il avait été spectre? Arkin est un compte première. Si ça se trouve, il essaie juste de nous embobiner. Ouais, sans doute. C'est simple, hein, il a raté. Il doit pas forcément être super super fier. Hein. Voilà pourquoi est-ce qu'il a du mal. Alors c'est T. Ruelle ou halle supérieure. Bon. Je suis où? On est où? Morlan. Bonjour, bienvenue chez le célèbre Morlan. Vous voulez de la bonne marchandise? Montrez-moi ce que vous avez. Que de bons produits, vous allez voir. D'accord. Vous avez vu, il y a un bug, je crois, dans les... Il est censé dire sûrement sa phrase pour les objets, mais... Ah, c'est pas mal, ça, le mode pour le Medigel. Que 200. Licence Elanos Risk Control pour le quartier maître du Normandie. Mais ça, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être important en fait. Et ça coûte pas cher. Je vais les acheter. Voilà, je vais les acheter, je sais pas à quoi ça sert en fait. Donc. Oh, la version améliorée de mon fusil sniper. Un Hammer 3. Troisième du nom. Et il est supérieur, ouais. De pas beaucoup, par contre. Donc, il y a aussi une boutique dans les bas-fonds, on va dire. C'est pas les bas-fonds, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Quartier inférieur, apparemment, ils disent. C'est pour aller où, ça? Ah. Waouh. Non, mais je rêve pas. C'est le commandant Shepard, héros d'Eden Prime. C'est un véritable honneur de vous rencontrer, commandant. Bien, apparemment, enchanté. Qui vous êtes? Je me présente, Conrad Werner. On raconte que vous avez tué des centaines de guettes sur Eden Prime. Tiens donc. On raconte beaucoup de choses. Je n'avais pas vraiment le temps de les compter. Dites, si ça vous dérange pas, je pourrais avoir un petit autographe, vite fait? Bien sûr.
écoute, si tu veux, si ça peut lui faire plaisir. Bah, exactement, voilà, si ça peut te faire plaisir. Merci, écoute. C'est vraiment chic. Ma femme ne va pas en revenir. Putain, je serais devenu un héros. Merci encore, commandant. Je ne vous retiens pas plus. La prochaine fois que vous passez dans le coin, je vous paye un coup. Ok. Sympa. Je pensais pas que du coup j'allais t'apprécier. Expat. Salutations, être humain. Vous arrivez tout juste des colonies, à n'en pas douter. Avez-vous besoin de provisions? Montrez-moi ce que vous avez. Mais avec joie. Je suis sûr que vous allez trouver quelque chose à votre goût. J'ai toujours du mal avec cette race extraterrestre. C'est un volu, c'est ça? Une licence. Un volus, voilà. C'est le meilleur endroit du secteur pour acheter du matos. Tu dis ça parce que c'est un volus qui tient la boutique, non? Ah, mais en plus, ça me fait gagner de l'XP, du coup, je monte de niveau. M'étonnerait que vous ayez acheté ça ici. Je ne vends pas ce modèle. Écoutez, je sais que c'était ici. Je me rappelle votre tête. Vraiment? Bravo. D'habitude, les humains ne sont pas fichus de distinguer un Turien d'un autre. C'était ici! Bon, vous allez me rembourser, oui ou non? Vous avez votre preuve d'achat. Quoi? Non, je... Vous ne m'en avez pas donné! Alors, désolé, je ne peux rien faire pour vous. Oh. Mais... C'est comme ça. On peut pas leur parler? Oh. C'est-à-dire que c'est juste pour mettre de la vie, quoi. On pourrait limite sous-entendre, supposer ce qu'on veut, quoi. Un marchand turien avec un... un être humain. Vu le passif des deux races, on pourrait dire que ça peut, c'est peut-être de la une forme de discrimination. Et ouais. Alors, on va monter pour pouvoir aller jusque les... Hop, tu vois, d'élite, même si c'est pas ça qui m'arrange. Moi, ce qui m'avantagerait, ça serait de déverrouiller les fusils à pompe. Enfin, la compétence des fusils à pompe pour avoir carnage, tout ça, plus les dégâts, tout. Alors, Ashley Williams... Je sais pas quoi faire de toi, ma pauvre. Hein. Tu sers pas à grand chose. On va t'augmenter ton fusil parce que tu utilises. Comme ça, t'es sûr du. Je sais pas s'ils utilisent vraiment le fusil, du coup, quoi qu'il arrive. On verra bien. Et toi, eh bien, tu vas rentrer. Voilà. Annuler les points de talent. Non, ça se passe très très bien. Voilà. Et on va prendre le Citadel Rapid Transit. Pour aller sur le site du Présidium, je pense. Et on va faire. On va aller aux ambassades, je pense. Peut-être au quartier de la favorite, je ne sais pas. Aux ambassades. Et des ambassades, nous allons parler à l'ambassadeur Elkar. Lar, Leglac, je sais pas quoi là. Les gros tas. Mais avant tout, on s'arrêtera là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire ce que vous avez à faire si jamais vous avez aimé la vidéo. Il n'y a pas de souci. Et portez-vous bien. Et je vous dis à plus.